vendredi 21 octobre. Bonjour. On aurait donc une fuite des premières images du Xiaomi 13 Pro. Alors, ce sera surtout une photo de l'arrière hein, qui permettra de dévoiler un petit peu les caméras avec une inscription Leica. Oui, parce qu'à part ça, on sait pas grand chose, à part qu'il pourrait peut-être avoir un capteur Sony IMX 989 de 1 pouce, comme il y avait dans le 12 Ultra, mais les lentilles seront quand même plutôt différentes. Pour le reste de la config, on subodore, panneau AMOLED de 6,2 pouces en 2K, une charge rapide 120 watts, peut-être un lancement mi-novembre. Samsung vient d'annoncer son nouveau capteur 200 mégapixels ISOCELL HPX. Bon, vraiment une évolution de l'ancienne, mais celui-là sera encore mieux avec un zoom 4x 100x. Et enfin, la taille des pixels sera inférieure de 12%, ce qui permettra en fait de rendre le module beaucoup plus fin, et ça évitera surtout que ça sorte un peu du téléphone et que ça déborde. C'est dégueu. Bon, après, c'est la classe, hein. 3 modes d'éclairage automatique, des vidéos jusqu'en 8K 30fps, HDR, double HDR, et mode 4K, Full HD, tout ça, tout ça. Bref, vous allez le voir dans tous les nouveaux smartphones. On se donne rendez-vous demain, et demain, on parlera film et série télé.